Salut tout le monde, c'est MB, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous montrer un logiciel qui va vous permettre de faire des montages très rapidement. Et croyez-moi, c'est fait avec de l'intelligence artificielle, bien sûr. Intro. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mickaël Dusselier. Sur cette chaîne, je parle de intelligence artificielle, de SaaS, bien sûr aussi, no code. On parle aussi de tout ce qui est productivité. Aujourd'hui, ça va être du coup un SaaS qui a directement une intelligence artificielle pour créer des vidéos très, très, très rapidement. Donc voilà, ok, elle s'appelle Pictory. Donc regardez mon écran, là, rapidement, on peut faire un petit test. Donc vidéo création. Voilà, c'est vraiment pour aller très 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 rapidement. Donc je vous survole parce qu'on va aller directement sur l'application juste après, hein. C'est pour le but de la vidéo, donc on va y aller très rapidement. Donc voilà, là donc il montre ce qui se passe, pour qui, youtubeurs, marketeurs, les agences, les blogueurs, tout ça, les gens qui veulent créer des cours, des coachs, etc. Dans notre cas à nous, alors, hop, on a déjà créé l'application, on va aller dessus, voici l'interface, comment elle est. Moi, j'ai fait un petit test. Je viens juste de faire un petit test. Donc là, j'ai édité une vidéo, mais là, on va le faire ensemble. Ce qui est fort, c'est qu'on peut rajouter du coup le lien d'une vidéo YouTube. On va utiliser un lien de ma chaîne YouTube et du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Hop, c'est parti. Process. Procède. Hop, là, il demande combien de personnes parlent dans la vidéo. Vu que je suis tout seul, hop, je vais mettre 1. Mais si j'aurais mis 2, ça aurait été mieux vraiment pour qu'ils puissent analyser les voix des gens. Donc c'est assez intéressant de se dire ça. Pour l'instant que la vidéo est en train de tourner, nous allons justement, vu qu'elle est obligée d'aller le chercher directement en ligne, nous allons partir à côté. Donc hop, on va voir aussi le projet que j'ai mis. Donc une des vidéos que j'ai tournées il y a quelques minutes. Comme vous pouvez le voir, là on peut aussi gérer du coup le format. On peut gérer le format, on peut gérer pas mal de choses. Donc voilà le branding, si je veux rajouter des éléments et tout ça. Comme là aussi, il m'a demandé si je voulais rajouter des sous-titres. Génial, non? C'est bien. Surtout que normalement, les sous-titres, ça prenait énormément de temps à être mis en place, alors que là, automatiquement, il les récupère et il est capable de gérer ce que je dis pour les ajouter en sous-titres. Donc, c'est assez utile, comme on peut le dire pour les personnes qui font de la vidéo. Donc, il y a une autre fonctionnalité qui est importante, c'est qu'on peut créer du coup une vidéo à partir du texte. Donc là, on va aller sur ChatGPT pour créer un petit script de vidéo. Crée-moi un script de vidéo qui parle des dauphins. Voilà, donc voilà, il me donne. Ok, c'est vrai que peut-être la manière, encore une fois, ça c'est très important, c'est bien en fait que ça arrive comme ça. J'ai fait du coup un contenu qui explique comment bien écrire sur ChatGPT pour qu'il puisse vraiment analyser exactement ce qu'on souhaite. Mais là, forcément, avec le très peu d'informations que je vais donner, forcément, il n'a pas toutes les informations que je veux. J'aurais bien aimé qu'il me dise salut, bonjour à tous, etc. Mais là, c'est normal parce que j'ai forcément manqué quelque chose. Donc, je vais vous montrer la bonne manière de l'écrire. C'est très bien. Et du coup, je fais un lien sur la vidéo qui me permet de vous montrer à quel point c'est important de donner des mots précis pour qu'il nous donne le bon résultat. Hop, alors, crée-moi un script pour ma vidéo YouTube qui parle des dauphins. Ils vivent. Hop, voilà. Voici un exemple de script que là, vous avez vu directement, c'est différent. Et là, voilà, il y a l'intro, il y a tout ce qu'il faut. Allez checker la vidéo parce que ça devient important. Donc pendant ce temps-là, on va vérifier si il a réussi à finir l'import. Ok, voilà, c'est fait. L'importation est en train d'être faite. On attend un tout petit peu. Pendant ce temps-là, de toute façon, nous, on check le mail qu'il nous a envoyé. Donc on va bientôt le mettre en place aussi. Vous avez vu, là, il y a des petits mots qu'il incruste justement pour que vous puissiez voir comment ça peut rendre pour les sous-titres. Donc voilà, là, c'est le début. On va aller directement là. Hop. Voilà, on va aller plutôt ici. C'est plutôt. Vous avez vu? Hop, automatiquement, il rajoute du coup des petits mots pour que vous puissiez voir exactement si vous voulez ce type-là de sous-titres. Si vous voulez sinon un autre type, c'est possible de gérer comme ça. Hop. Vous avez vu?
Et là, on peut le changer comme on le souhaite. Donc c'est assez cool d'avoir ça, on est capable de le garder et faire des modifications sur la nouvelle vidéo qu'on a rajoutée. Donc on la prend et du coup là on pourra du coup modifier les visuels. Donc en ajoutant pas mal de choses, on peut les importer aussi. Donc là au niveau des GIFs, emojis, etc., rajouter de l'audio. Donc on peut aussi ajouter notre propre audio, du texte, le style, donc voilà des souscriptions, etc. On peut ajouter pas mal de choses qui peuvent vraiment être utiles, comme le format. Donc là, rapidement, on a un nouveau format qui va être utile si on veut partager sur les différents réseaux sociaux. Donc c'est pas mauvais. Franchement, c'est génial. C'est très 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 bien. Donc voilà. Hop, je pense que ChatGPT m'a fait un bon script. On va le prendre. Il n'a pas fini, forcément vous connaissez l'astuce si vous avez vu la vidéo pour continuer le script, mais on va partir directement sur mes projets. On va lui demander de créer un nouveau projet. Cette fois-ci, on va partir à partir d'un script. Hop. Et voilà, je clique stop ici. Allez, c'est parti. Je veux que tu template. Ouais, voilà, j'ai pas de template, donc pour l'instant. On va faire en sorte d'utiliser... Est-ce que je peux faire une recherche? Pour l'instant, on ne peut pas faire de recherche pour trouver le meilleur template qu'on a besoin. On va prendre celui-là. Allez, hop. On va le prendre en 16 neuvième. Donc là, pendant ce temps-là, bon, ben voilà, on est obligé d'attendre. Comme, encore une fois, hein, vous avez vu, ChatGPT a créé le texte. Pictory fait en sorte d'en créer une vidéo. C'est génial, c'est pratique et ça va vraiment changer pas mal de choses. Donc, toutes les personnes qui ont envie de faire un contenu, mais qui n'ont pas envie de mettre directement leur tête, eh ben, Pictory sera là pour vraiment créer du coup le contenu visuel et ChatGPT pour créer le contenu textuel. C'est intéressant de voir tout ça. Et forcément, ben voilà, ça peut prendre un petit peu plus de temps en fonction de ce que vous demandez. Oh, ben, c'était très rapide. Et voilà, on a quelque chose de quali. Donc, on va tenter de lire toute cette partie-là. Avec la musique aussi qui va avec. Donc cette musique là je ne sais pas si elle est libre de droit, du coup je vais couper le son du micro, on sait jamais. Donc voilà, on a les scènes, on a les différentes scènes et c'est assez quali. Comme vous pouvez le voir, voilà, il a fait des scènes pour chaque partie. Et vous vous rendez compte que maintenant on a une vidéo qui aura plusieurs aspects, plusieurs scènes. Et qu'on pourra lancer très 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 rapidement. Ok, j'imagine que voilà, les femelles donnant naissance, nanana, il a pris en compte le fait que voilà, il pensait que c'était des êtres humains. Si je m'étais ici, ouais, donc voilà, dès qu'on parlait d'animaux, fascinant, il m'a mis une vidéo d'animaux. Forcément, les vidéos qui sont derrière seront modifiables. Donc c'est vraiment pour lancer et je trouve que c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc voilà. Alors, je vous ai fait un petit test de Pictory. J'espère que ce test-là vous a plu. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et aussi de vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui est soit sur les SaaS, soit sur l'intelligence artificielle, soit sur la productivité, soit sur le no-code et même peut-être les quatre en même temps. On se dit à la prochaine. Ciao.